pas mal de choses, de la centralisation, de la surveillance généralisée et de la censure, notamment. Donc, on parle de choses. Alors, Windows, c'est que du logiciel. Du coup, on va pas faire ça tout seul. On fait ça en soutien, en support de tous ces logos que vous connaissez, j'espère. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à vous rapprocher d'eux. La FFBN et tous les foyers associatifs, la quadrature du net, Framasoft, les chatons, la route internet, les CCI et tellement d'autres qui se battent pour ça, les collectifs, les associations. Ça, c'est gratuit. Hein. Pour nous, la société de l'information, elle ne sera démocratique que si le contrôle de toutes les technologies démocratiques, que ce soit du logiciel, du service, du matériel, de ces données, évidemment, mais aussi de la gouvernance de tous ces projets. On sait comment ils fonctionnent, on sait comment sont prises les décisions. Alors maintenant, le plan. Aujourd'hui, Internet, ça donne un truc comme ça. On peut faire mieux en mettant les services en plein milieu. En fait, alors on se rend compte que dans tous ces tuyaux, il y en a qui sont plus gros que d'autres et qui se passent beaucoup plus de choses. Et vous, vous êtes ici, là-bas en bas. Alors demain, vous faites ça. Demain, vous installez un serveur chez vous. Pourquoi pas avec Windows. Et puis, vous commencez à héberger dessus les services. Vous commencez à substituer l'utilisation que vous avez potentiellement ici de Gmail et de plein d'autres choses. Vous installez votre serveur pour gérer vos mails, pour gérer votre blog, pour gérer votre outil associatif, pour gérer votre cloud avec vos fichiers, vos agendas, etc. Vous faites ça. Et puis, l'idée, c'est que, comme on veut que ça soit facile, on veut que CSM, on veut vous convaincre tous vos amis de le faire, et à la fin, ça donne ça. Et du coup, eh bien, on se rend compte que Internet ressemble plus à ce pourquoi il était créé, totalement décentralisé, beaucoup plus résilient, beaucoup plus magique. Alors nous, du coup, la visée qu'on a, c'est démocratiser l'administration système, que chacun puisse se réapproprier ça, et de fait se réapproprier l'auto-hébergement. Sans trop de compétences techniques, sans y passer un temps paramétré. On aime bien l'analogie avec Linux. Linux dans les années 80, c'était quelque chose de réservé, réservé aux initiés, extrêmement compliqué, complexe. Voilà, avec, on disait Linux. Comment ? Non, pas 80, 80. Oui, bah, l'idée, elle a commencé. Ça a commencé à 30. Oui, c'est dit, ça a commencé à 30. Et donc, le truc, c'est qu'il y a des gens pour travailler pour que ça devienne plus abordable, que ce soit techniquement, des environnements de bureaux, de graphiques, etc., mais aussi dans l'éducation. Les gens, ils ont commencé à s'approprier des tutos, des tutoriels, plein de choses comme ça. Et donc, l'idée, c'est qu'on fasse la même chose avec les serveurs, les fameux nuages, qui en fait, est juste un ordinateur qui revient à Internet. Et ensuite, on voudrait que ça puisse être installé n'importe où. L'idée de l'avec Internet, ça, c'est un périphérique qui coûte entre 60 et 80 euros. Les petites cartes de développement, on en a entendu parler, les Raspberry Pi et tous les périphériques similaires. Ça puisse tourner sur un vieil ordinateur ou un vieux laptop que vous avez chez vous, ou éventuellement chez un hébergeur associatif. Du coup, comment ça marche? Est-ce que je suis en avance ou pas? Alors, la naissance. Pour connaître un projet, c'est bien de s'intéresser à son histoire. C'est dans quelles conditions c'est arrivé. Alors, une nuit d'été en 2011, il y avait BudBud, qui avait un serveur de mail qui marchait, BudBud est administrateur système, et Claude Meulemel. Alors, il commence à s'exprimer, il se rend compte que c'est rien qui est possible. Et comme il est développeur, il dit je vais essayer de faire quelque chose qui soit applicable, qui soit plus automatique. Et tout ça, c'est bon comme ça. Alors, la petite image, c'est pas la joke, mais c'est vrai que des fois, on commence à administrer son système, c'est pas une conspiration, c'est très compliqué. Évidemment, quand on repose, je pense que les gens qui ont fait ça directement. Notamment, nous, avec moi, chez Wayne, c'est PostFix. PostFix, c'est un logiciel très très puissant pour envoyer des mails, pour SMTP. Alors que par contre, effectivement, il faut bien s'arracher les cheveux. Alors, du coup, Claude et BudBud, ils développent un premier prototype pour automatiser tout ça. Et en 2012, la première version officielle de Wayne sort. Et après, ils ont rajouté des fonctionnalités. Donc, applications, on a un catalogue d'applications, XMPP, donc Jabber pour les messages d'intérêt, qui est centralisé, l'authentification unique, le CISO, et plein d'autres choses. Pardon ? Alors, on va rentrer un peu dans les détails. Donc, ce problème est une distribution qui est basée sur Debian. On gère un catalogue d'applications et de services pour que ça soit installable facilement, et les applications en ont plus en plus, on va voir. On peut, sur son serveur, administrer les utilisateurs et les utilisatrices, gérer les droits d'accès qu'ils ont, les quotas de mails, d'informations qu'ils peuvent stocker.
on gère des domaines, c'est-à-dire qu'on peut héberger plusieurs domaines sur ce serveur. On peut héberger le nom de domaine sur la CMail, par exemple, et moi je m'appelle Mena.net, je viens chez moi. Je peux héberger aussi des noms de domaine de mon association locale, etc., en fait des tas de jours, et puis le domaine de quelqu'un d'autre. Tout ça sur le même serveur. On peut créer, supprimer les domaines. Voilà, on peut gérer les backups. Alors j'ai mis locaux et distants. Locaux, ça existe depuis toujours. Distants, c'est quelque chose qui arrive aujourd'hui, c'est faisable. C'est faisable techniquement en mettant un petit peu les mains dedans, mais ça devient de plus en plus abordable. Vous connaissez le principe pour un backup qui soit le plus résilient possible. Si vous voulez pouvoir rester au fait que votre serveur brûle, votre serveur est brûlé, votre maison brûle, il faut s'occuper sur votre site. Donc effectivement, après, on gère le mail. Alors le mail, c'est vrai que c'est pas forcément simple pour ce qui est lié à la lutte contre le spam. Il y a pas mal de sous-produits qu'on a mis en œuvre, notamment des clés. On essaie de suivre ça, ça marche bien. Donc, XMPP pour un messagerie instantané. Certificat SSL, ça c'est depuis environ un an. Vous savez qu'on n'a pas l'XMP, une initiative qui a permis d'obtenir un certificat SSL et donc de proposer par exemple son site web en HTTPS gratuitement. Tout ça c'est 0.9.1. Et donc il y a plein d'autres choses qui sont faites pour que ça marche. Alors dans les faits, à quoi ça ressemble? Normalement, en tant qu'utilisateur, vous arrivez sur un portail, vous allez vous authentifier avec votre nom d'utilisateur, votre mot de passe, et vous allez arriver sur un portail avec l'ensemble des services qui ont été installés sur votre instance Windows. Alors oui, moi, c'est le serveur de démo de Windows, vous pouvez y aller d'ailleurs n'importe quand. Alors ça, c'est l'ensemble des applications qui sont supportées officiellement pour Windows. Il faut savoir qu'au niveau communautaire, on aurait plutôt une centaine d'applications. Voilà, vous avez de tout et on gère l'authentification unique. C'est-à-dire que quand vous allez, si je me connecte en tant que Jimmy, c'est ça mon login, quand je vais aller sur, alors je prends quelque chose qui parle, sur le wiki, le public, il va savoir que je suis Jimmy. Le compte a été créé automatiquement. Sur Elmo, c'est pareil. T'as mis RSS, c'est pareil. Enfin, ça vous offre de ça. Et après, comment ça s'administre? On a pareil, on a défini une interface web qui permet de faire ça simplement. C'est-à-dire plus simplement, c'est un mot de commande. Pareil, vous allez pouvoir administrer simplement, visuellement, votre utilisateur, les domaines, les applications, pouvoir faire une mise à jour, savoir quelles mises à jour sont disponibles et les faire. En particulier, on a un canal qui vous permet de vous notifier à l'écran des alertes de sécurité et de dire non, trop tard. Tout un tas de choses pour mettre la sauvegarde. Installer une application, et bien vous allez avoir, là c'est la liste d'applications qui sont installées sur mon serveur. Vous allez cliquer en haut à droite sur installer, vous allez avoir accès à un catalogue d'applications comme celui-ci. Et chaque application va vous demander les informations dont elle a besoin pour s'installer. Ces informations varient, ça sera toujours, vous aurez toujours le nom du domaine, le chemin pour y accéder. Là j'ai fait une application plus simple, il n'y a pas grand chose. Vous voyez par exemple celle-ci, et bien, la possibilité d'installer un produit pour avoir ici une personne de votre mère. Il y a plein de choses possibles selon les applications. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on vous promet cette interface web, mais les mêmes commandes sont accessibles en ligne de commande. Alors, ça dépend des préférences de chacun et du niveau, au niveau dans lequel ils seront, dans l'appropriation de l'outil. L'idée, c'est qu'on n'est pas enfermé dans une interface graphique, et après, dans la ligne de commande, on sait que c'est aussi puissant que le serveur. Donc tout ça se fait de manière totalement analytique quand on vous offre les news. Chaque fois qu'on rajoute une possibilité, on va la rajouter en même temps, dans le même effort, ça va se rajouter en ligne de commande et dans l'administration web. Alors, pourtant c'est un peu difficile. Pas compliqué. Alors, ça c'est un schéma d'architecture de Windows, pour vous voyez un petit peu comment ça fonctionne. Vous avez des boîtes en gris ici, là. Ça c'est tout ce qui. Ce sont des paquets qui sont gérés essentiellement par des liens et sur lesquels on retourne. Donc vous avez ici, quand vous avez un parcours, la URL date, c'est là où on gère les utilisateurs. Toutes les briques pour le mail, donc postcode, postfix, R3MD, qui va utiliser ce qu'il y a dans la URL date pour authentifier le mail. Pareil pour XMPP et notre nom. Vous avez le serveur HTTP, on utilise Nginx, qui est plutôt léger. Ce que vous avez en jaune ensuite, c'est ce qu'on a développé par-dessus. Donc ici, SSOWAT, c'est ce qui va vous permettre d'avoir notamment le portail que je vous montrais, qui fait que je vais m'authentifier une seule fois sur le portail. Cette authentification va être vérifiée auprès d'un UR. Et ensuite, je serai reconnu automatiquement auprès de toutes les applications. Ensuite, ce qu'on appelle le core de Windows, c'est l'ensemble des commandes qui va gérer et simplifier pour vous toute cette administration, cette installation
c'est accessible pour les parties vertes, qui sont les parties utilisateurs, par, via une interface d'administration web ou via la command line interface, l'interface en ligne de commande. Voilà. Et ensuite, donc ça, c'est le portail d'authentification unique. On s'authentifie auprès de CC Web pour les applications privées, parce que vous pouvez avoir des applications publiques, évidemment, si vous hébergez votre blog, vous avez envie d'en sauver pour connecter sur un portail. Donc, c'est à vous de choisir le niveau d'accès des applications. En tout cas, c'est clair, c'est que grâce à ça, n'importe quelle application qu'on va vouloir intégrer dans OneDNS, elle n'a pas forcément besoin d'avoir des mécanismes inhérents de sécurité. Dans la cache derrière, derrière notre portail, elle sera sécurisée de facto. Alors OneDNS, c'est aussi de la documentation, de l'info. Elle est certainement perfectible, il y a déjà un bon effort de fait. Une communauté amicale et accueillante. Alors, on a un forum, on a des chaînes XMPP. Sur Matrix aussi. C'est plutôt actif. On estime environ 1000 à 2000 utilisateurs actuellement au niveau. C'est très dur à faire et puis comme nous on fait cette centralisation, et ben, on a l'impression de ne pas avoir de moyens de savoir qui utilise. C'est aussi donc, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est le système d'exploitation de la brique Internet. Il y a une application VPN client qui permet de gérer la connexion VPN qui nous permet de faire passer tout le trafic de chez vous par l'accès VPN que vous allez prendre auprès d'un VPN. C'est aussi des petits services qui sont malheureusement aujourd'hui centralisés. C'est avec évidemment le catalogue des applications qu'on héberge. Ça va être les dépôts Debian pour les applications fournies. Et on fournit aussi des domaines dynamiques. Donc vous pouvez prendre automatiquement, si dans votre voyage de vous configurez un domaine dont le suffixe est nohost fourni et nohost.sc. Ça, ça va créer automatiquement chez nous, on est propriétaire de ces noms de domaines. On va automatiquement vous créer ce nom de domaine, il sera tout de suite accessible. Et il est dynamique dans le sens où si votre serveur ou chez vous, là où vous avez connecté votre OneDNS, l'IP change, et bien ça sera notifié automatiquement et ça restera toujours accessible. Ça, ça vous permet de mettre facilement le pied à l'étrier dans votre hébergement. Et ensuite, pourquoi pas, vous allez avoir envie de prendre votre propre nom de domaine et ça sera géré aussi. Sauf que là, il faudra, selon là où vous prenez votre nom de domaine, configurer le renvoi vers la bonne adresse. C'est la seule prérequis. Et bien, d'autres prérequis, je n'ai pas dit évidemment si vous voulez garder ça chez vous. Faire en sorte de vous accompagner soit automatiquement, soit via un peu de documentation, pour paramétrer votre box, pour que votre serveur puisse être exposé sur Internet, notamment pour envoyer des mails ou l'accès au service Internet. Donc aujourd'hui, 20 applications officielles, il y en a qui vont venir, on est en train de se lancer là-dedans. Et j'ai noté 95, au moment où j'ai fait le slide, 95 applications communautaires fonctionnelles. Et dans les faits, il y en a 196, et il y en a qui ne sont pas déclarés comme fonctionnels par leurs développeurs, soit parce qu'elles ne marchent plus, soit parce qu'elles sont en cours de développement. Et ça, on est plutôt fiers d'en parler, en tout cas, c'est une marque de fabrique. On a une gouvernance qui est totalement indépendante du financement pour l'instant, et bénévole. Et on a beaucoup passé du temps à réfléchir sur cette gouvernance, et on a écrit notre propre constitution, de manière particulière. Mais savoir comment on anime ce projet, comment on structure en groupe et comment on fait en sorte que toutes les décisions soient toujours discutées, réfléchies, partagées, faire en sorte qu'en fait on n'a pas de chef, c'est très horizontal, et on fait en sorte que le projet, donc on ait suffisamment de garde-fous par rapport à la qualité de notre projet, parce qu'on n'a pas envie de passer chez les gens, il faut toujours le faire, tout en ayant gardé une certaine souplesse et une rapidité dans le développement. Évidemment, quand on fait du logiciel, on veut un peu plus court, on est juste passé par des revues, par des pertes, des revues. Voilà, donc c'est une balance à prendre et plutôt content. Je supporte ça. Okay. Alors, où en est-on aujourd'hui? Je vous parle quand même un peu de ça. Oui, mais moi, c'est formation, c'est une très très bonne info. Alors ça, je vous ai un peu caviardé la très belle infographie qu'a publié Framasoft pour cette fin d'année. Ils m'ont montré quels étaient leurs efforts et ce qu'ils voulaient faire là-dessus. Tout ça pour vous dire que dans son initiative, Framasoft est décennée. Je sais pas comment vous avez fait ça. Oui, l'objectif, transmettre les savoirs, qui sont leur premier match, qui sont détaillés demain dans leur publication. Ils ont un élément qui est faire en sorte de soutenir OneDNS, de faire de la publicité. Et donc, effectivement, il y a quelqu'un de Framasoft qui travaille avec eux pour faire avancer le dossier pour que les gens aient des moyens de s'auto-héberger. Donc, on les remerciera jamais trop pour ça. N'hésitez pas à aller voir dans leur conférence. Il y a une conférence cet après-midi, ils ont un stand. Autre chose, donc,
l'information dans le cadre de son opération d'éliminant Internet. Et donc, il travaille avec nous pour faire en sorte que toutes ces applications qu'il propose soient disponibles et installables sur notre serveur Wayne-Wos. Aujourd'hui, grâce à Paramasoft, les gens se rendent compte que les services ne sont pas forcément inclus, qu'après une centralisation qui n'est pas forcément voulue. Donc, dans leur mouvement d'éducation populaire, ils disent venez chez nous, utilisez ces services, vous verrez. C'est facile de se rapprocher de ça. Une fois que vous avez passé cette étape et que vous avez envie de passer à votre hébergement, l'idée c'est que vous puissiez retrouver exactement les mêmes services que vous aviez chez Paramasoft, mais sur votre serveur Wayne-Wos. Alors, ce que je vous ai mis ici, c'est à chaque fois, à gauche, vous avez le nom du service Paramasoft, à droite, le logiciel libre qui tourne ça. O, c'est quand c'est une application officielle, c'est une application communautaire. En vert, c'est tout ce qui fonctionne aujourd'hui. En orange, c'est tout ce qui a été commencé, qui n'est déclaré pas encore totalement fonctionnel. Je pense qu'il y en a qui sont dans un certain niveau de qualité. Et en rouge, qui n'a pas encore été développé. Donc, on peut voir qu'on est plutôt très bien avancé. Ça avance plutôt vite. Voilà, vous avez accès déjà à tout ça. Alors, Wayne-Wos, il y a les chatons et les autres. Il faut savoir que, effectivement, Wayne-Wos est de plus en plus utilisé par des collectifs et des associations. Notamment, donc là-dedans, il y a un peu tout, j'ai essayé de faire un sondage pour préparer ça. Il y a des chatons, des projets de chatons qui utilisent ça pour se mettre en cours rapidement. Il y a des associations, il y a Zazonov qui est un pays associatif qui utilise. Et Terra, c'est, je crois, un projet de village associatif. Aller jusqu'au bout et puis dire même le site web pour proposer les moyens qu'on utilise pour interagir, et bien on va réfléchir au plus possible à cette hébergement. Donc ils ont fait le choix aussi de Wayne-Wos. Mais il y a aussi effectivement beaucoup d'individus, de familles. Moi je héberge pour ma famille tous les services de mail de façon pour la communauté. On commence à avoir aussi des petites associations et des paquets aussi dans Wayne-Wos qui permettent de déployer des logiciels libres qui permettent de gérer les associations. Les collectifs qui s'établissent, qui vont avoir leur groupe tout simplement, et puis de plus en plus en plus. Je voulais revenir sur la mer parce que, effectivement, Wayne-Wos, ça avance bien, ça a été encore une bonne année, le projet a bien avancé, donc on a eu trois versions. Une première version, en début d'année, c'était en janvier, donc Let's Encrypt. Maintenant, on peut faire des HTTP simplement, on n'a pas besoin de faire simplement, acheter un certificat SSH, etc. pour le déployer. Maintenant, tout ça, c'est gratuit grâce à Let's Encrypt. Vous créez votre nom de domaine. Wayne-Wos va gérer le fait de récupérer le certificat SSL et va gérer aussi le renouvellement parce que via Let's Encrypt, le renouvellement, je ne pas dire, c'est toujours son parent. Donc ça va se faire de manière transparente sans que vous ayez besoin de vous en soucier. On a introduit un niveau pour qualifier les qualités des applications, j'y reviendrai ensuite, et on a fait des images pour installer ça de manière simplifiée sur tout ce qui est directe, par exemple, par exemple. On a une deuxième version. Premier mécanisme de liste d'applications. Effectivement, aujourd'hui, il y a la liste officielle, la liste communautaire, il peut y en avoir d'autres, donc les différentes applications, c'est géré. On peut maintenant, pour faire une application, changer d'URL, pour installer sur mon nom de domaine en host.me. Et depuis, je me suis acheté mon nom de domaine, qui est un endroit, je vais pouvoir simplement changer l'URL et mettre mon serveur, il n'y aura rien à faire. On a amélioré, on a toujours effectivement un set d'activité qui est pour gérer la sécurité, évidemment. Et on a essayé aussi de réduire le ticket d'entrée pour développer des applications. Je suis toujours à ça pour que les gens qui ont envie de créer de nouvelles applications dans Wayne-Wos puissent le faire le plus simplement possible. Enfin, en faisant en sorte que, au fur et à mesure des versions de Wayne-Wos, il n'y a pas besoin de faire. Donc la sécurité est toujours un framework de migration, ça c'est pour nous, c'est pour pouvoir faire des modifications structurelles à chaque version de Wayne-Wos. Qu'on puisse gérer des migrations, des fois qui sont passantes, sur la terre. La sauvegarde, on en a parlé tout à l'heure, on l'a améliorée. Maintenant, on a mis en place des choses qui permettent de faire des backups existants, tout en limitant la bande passante, tout en conservant la sécurité, puisqu'après, les backups sont produits sur Internet. Bekim, ça c'est pour la lecture de système, pour les mails, et encore des helpers pour les applications, donc les helpers, une forme de fonction pour abstraire et simplifier la réalisation de l'application. En 2017, toujours. Il y a eu un break camp en région parisienne, donc ensemble de développeurs, contributeurs de Wayne-Wos se sont rassemblés pendant une semaine entière, ils ont beaucoup parlé. Les applications officielles ont été réécrites, il y a un très vaste opportunité de correctifs qui ont été apportés. C'est pas le premier, mais bon, c'est le premier. 31 nouvelles applications communautaires, donc c'est plus que pas mal. 60,
71 en fait qui ont été en développement dans la nuit, 30 pays qui sont achevés. On est assez content de ça. Dans l'animation, on a fait en sorte d'organiser un vote pour que la communauté décide de quelles seront les prochaines applications officielles. Les applications officielles, on s'engage ensuite à les maintenir en termes de sécurité. Et au niveau des bugs, on s'engage de l'équipe communauté pour les corriger rapidement. Voilà. L'occasion était élue, c'est 18 millions. D'Adobe Photo et on pêche pour gérer sa musique. Après, ça devrait arriver bientôt. Alors, le niveau de qualité pour les applications, ça c'est très important. On a défini un certain nombre de règles pour vérifier la qualité des applications. Et on a mis en place, pour qu'on puisse après mettre en place des outils pour la vérifier en permanence, cette qualité des applications, pour vérifier quand une application est cassée, pour vérifier si elle mérite d'être officielle ou pas. Donc, niveau 0, ben, elle ne marche pas. Niveau 1, elle s'installe. Niveau 2, elle s'installe dans toutes les situations. Niveau 3, on peut la mettre à jour. Jusqu'au niveau 6, on peut faire la sauvegarde et la restauration fonctionnelle. Voilà. Et après, pourquoi ça sert? Ça sert parce qu'on s'est fait un serveur d'intégration continue. Donc, ce niveau d'application, il est vérifié en permanence. On a un outil qui permet, quand on fait tourner sur une application, qui permet de vérifier ce niveau d'outil de l'installer, puis de la supprimer, de l'installer sur un autre RF, de la resupprimer, de la mettre à jour, faire toutes les actions de manière automatique. Et ça, ça tourne en permanence sur l'ensemble des applications, qu'elles soient communautaires ou officielles. C'est-à-dire qu'on a une possibilité, enfin, sur Internet, vous pouvez voir, de voir la qualité des applications, voir celles qui sont cassées, ça permet de monitorer, de les corriger. Donc ça, ça apporte beaucoup de choses. Donc dans les faits, on a utilisé Jenkins, donc on a plusieurs serveurs d'intégration continue qui tournent tout le temps. Vérifie le niveau des applications et ça nous permet de faire des états de synthèse. On voit effectivement avoir la liste du niveau, de niveau 7 et toutes les fonctionnalités fonctionnent. Après, j'ai mis que le haut de la liste, on peut voir qu'il y aura des centres, qu'il y aura des petites catégories. Ça permet à tous les contributeurs de voir où ils déploient internet et aux packagers aussi, ceux qui développent une application, ils sont notifiés quand elle fonctionne. Ça permet d'être plus rapide. Après, j'ai une application ne fonctionne plus. Ça peut être de plein de raisons différentes. Ça peut être par exemple une application, c'est donc un site qui fait des attaques d'installation sur un serveur. Et souvent, la première étape, c'est de télécharger l'archive qui va bien de l'application. L'URL peut avoir changé. Et oui, donc c'est des choses de base, mais grâce à ça, on va le savoir. En fait, c'est quoi, on va passer niveau 0, il y a quelque chose de cassé. On va pouvoir corriger, si c'est juste une URL, ça sera corrigé. Voilà, il y a plein de raisons qui sont extérieures à vos niveaux qui font que les choses pourront arrêter. Donc on le surveille et ça permet de maintenir un flux. Maintenant, parlons un petit peu du futur. On a plein d'idées. Alors le futur proche, c'est la version 3.0. Elle a un chiffre impressionnant, mais l'idée principale, c'est de migrer sur la version stretch que nous avons aujourd'hui. WayUMOS fonctionne avec la version 8, Jesse, et la version stretch, donc la dernière version qui est sortie dans l'année. Elle implique des changements structurels sur les versions majeures des paquets qui sont utilisés. Donc il y a un effort à faire, qui n'est pas forcément visible pour l'utilisateur, mais qu'on est en train de mener, donc notamment au niveau du système de filtrage et de spam, ça a beaucoup changé. Et on est passé de PHP 5 à PHP 7 par exemple. Alors ça va impliquer des changements pour les applications, je suis pas sûr que toutes les applications sont compatibles avec PHP 7 aujourd'hui, mais de plus en plus je pense. Mais il faut bien qu'on pense à faire ça pour qu'il n'y ait pas de besoin de remettre à jour toutes les applications. Donc, ça nécessite un petit peu de travail. Et pareil, je ne trouve pas forcément impressionnant que nécessaire une version du serveur XFTP parce que le précédent, le problème, il est plus maintenu. En tout cas, il n'a plus été pour un an. Il y a un petit peu mis récemment, on ne sait pas si c'est valide pour cette fonction. On préfère repasser à Projet un projet qui est maintenu. On en dépend de plein de choses, on poursuit l'actualité et puis il faut qu'on s'adapte et qu'on prenne les avantages. Donc, ça, c'est pour la partie technique. Alors, quand je dis proche, ça sera, on ne sait pas. Après, il y a un aspect dans WayUMOS, c'est un outil pour démocratiser l'administration système, on veut tout à chacun puisse s'approprier cet outil-là. Donc, on passe beaucoup de temps en support pour aider les gens, quand ils ont un souci, quelque chose qui sera un peu mesuré, qui ne comprennent pas. On passe beaucoup de temps à faire ça. Et on a besoin souvent de savoir quelle est la situation où il en est. Donc, on veut aider ces gens-là, déjà à faire un auto-diagnostic. Des problèmes communs pour gagner du temps nous et puis aux personnes aussi, vérifier que la courbe DNS est bien faite. Toutes ces choses-là, et puis aussi pour la sécurité, on voudrait aider aujourd'hui, on ne porte pas les gens à faire un appel. On ne porte pas forcément à mettre à jour le système, donc on va pouvoir les notifier, qu'ils sont au courant de l'état de leur serveur.
parle beaucoup, c'est la fédération. Parce que, on parle de décentraliser Internet, de donner des services sur Internet partout sur Internet. Et on se dit que si on a plein d'instances rigoureuses partout, on peut faire des choses extrêmement puissantes tous ensemble. Alors voilà, c'est l'exemple pour situer. On a Alice qui a cette idée qu'Internet est une écrit sur l'autre et d'autres. Alors le premier cas d'usage qui nous semble évident, c'est la chose dont on va parler tout à l'heure. Et si on veut être sûr qu'on ne perd pas ses données, sauvegarder ces données sur un site distant, c'est quand même une bonne idée. Le fait qu'on ait plein de données nombreuses sur l'étoile, ça pourrait permettre de dire que j'ai mon voyage nombreux, ce qui permet à mes amis de faire un sauvegarde chez moi et inversement. Donc on a tous les moyens, on connaît le système. Voilà. Donc ça permet d'avoir une résilience. Ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, c'est possible techniquement. C'est-à-dire qu'on a déjà posé des choses, on a des buts qui permettent, quand je déclenche un backup, de faire des actions particulières, notamment de l'expédier quelque part. Il y en a des applications qui permettent, sur un serveur donné, de dire je donne un accès à mon serveur à quelqu'un, un accès qui sera limité, et qui ne permettra de créer des fichiers. Et ensuite, on a une application, alors ces applications au sens premier de l'autre, que je vais installer sur mon serveur, qui va me permettre de planifier la sauvegarde, de lancer une sauvegarde sur un serveur distant. Donc c'est possible aujourd'hui. Nous, ce qu'on veut, c'est l'intégrer dans le cœur de Windows, et que ça soit, comme toujours, un usage le plus facile possible de produire. Si on cherche, on a aussi le cas numéro 2, qui est une sorte de forme de fédération, c'est le serveur de secours. Admettons que vous êtes hébergé, vous avez votre chaton, et puis maintenant vous avez 500 utilisateurs. C'est bien, vous l'hébergez chez quelqu'un, et Internet a lâché. Alors, on a pu voir que, pour la semaine dernière, la VH a coupé les ponts pendant une bonne moitié de journée, et le service n'était plus rendu. Et là, ce n'était pas redondé. L'idée, c'est que je puisse me redéployer rapidement, le service de ce compte-là ne marche, et redéployer rapidement ailleurs sur Internet. Pour les raisons qui sont. Alors c'est déjà possible techniquement. On a quelqu'un qui a codé une application fallback qui permet de programmer une sauvegarde de tous les services sur un serveur distant. Et sur ce serveur distant, la même application permet de dire à un moment, de dire c'est toi qui prends le relais. Et ce serveur va prendre le relais. Alors tout ça c'est basé sur les mécaniques de sauvegarde-restauration. J'ai oublié de le préciser, mais en fait la sauvegarde-restauration de Windows ça permet de migrer facilement d'un serveur à l'autre. Aujourd'hui, si vous voulez, vous avez un petit serveur Windows, vous voulez passer sur un serveur plus grand, vous faites une sauvegarde, vous installez Windows sur le serveur, sur votre nouveau serveur, et vous restaurez la sauvegarde. Généralement, le Windows va pointer vos DNS sur ce serveur, c'est tout ce que vous avez à faire. Donc en s'appuyant là-dessus, on peut faire plein de choses, notamment avoir un serveur de secours. Après, à terme, il y a plein de d'idées à avoir. Déjà, il faudrait qu'on puisse permettre à l'utilisateur de définir quels sont les serveurs amis et qu'est-ce que je peux faire avec le serveur. Est-ce que je veux juste créer des fichiers dans un coin? Est-ce que j'ai envie de pouvoir redéployer mes services? Afin qu'on sache les droits qu'on se donne. Et nous, pendant un petit temps, on définit ce qu'on a dit, la façon de communiquer entre ces serveurs. Et après, on peut faire plein de choses. On pourrait, un cas aussi qui est courant, c'est la surveillance. Aujourd'hui, j'ai mon serveur et j'offre des services sur Internet. Et bah, pareil, la connexion se coupe. Pour moi qui m'occupe du serveur, je suis notifié. Si j'avais un service ailleurs sur Internet, enfin sur la même connexion, qui serait plus régulièrement de contacter mon serveur, je vais pouvoir me notifier, donc mon serveur il est plus contactable. Donc la surveillance, on peut la faire ensemble. La redondance, ça peut être plein de services. La redondance, ça peut être un froid, comme je vous ai montré, donc je redéploie sur mes services. La redondance, si on se met à héberger sa zone DNS, si on héberge ses mails, c'est pareil, à chaud, on se retrouve. C'est un autre serveur qui est enrôlé pour les mails. Pareil pour les services, on peut même parler de distribution de charge. En fait. Comment dire, mon serveur est dimensionné pour 100 utilisateurs. Et puis, j'en ai un peu plus si c'est des nouveaux serveurs ou si je crée un deuxième serveur. Et puis, je vais balancer la charge entre les deux serveurs. C'est tout un tas de questions auxquelles on pourrait répondre avec Windows. Et puis après, on peut aller plus loin, on va partir ces données sur Internet de manière résiliente. Ça, il y a aussi d'autres projets open source qui permettent de les faire. On pourra aussi les packager, voir comment les intégrer dans vos Windows. Mais notre position en tant que serveur qui peut être partout sur Internet, nous permet de donner accès en tout cas à pas mal de choses d'usage auxquelles on n'aura pas pensé sinon. Et alors l'au-delà, c'est pareil, il y a plein de choses. Et j'y venais directement à penser les technologies décentralisées. Je pense qu'un certain nombre de gens dans la salle connaissent Mastodon ou Diaspora.
sur des réseaux sociaux ou des Twitter-like qui sont totalement décentralisés. Il y a plein d'instances sur Internet. On ne sait pas lesquelles elles sont. Tout ce qu'on sait, c'est qu'elles peuvent, se parler entre elles et s'il y en a une qui tombe, il n'y a pas de service qui tombe. Voyez une autre, dans cette position-là, on peut aider à penser ces technologies-là. Tout ça, c'est bien fait. C'est pas philosophique. On peut rendre l'utilisateur final leur donner. Effectivement, c'est moi, je m'auto-héberge chez moi sur mon boîtier de noces, effectivement, mes données, je les possède. Par contre, si j'héberge ma famille, ils sont hébergés chez moi, comment je fais en sorte qu'ils puissent sortir eux facilement leurs données et les mettre ailleurs? Je parle de ma famille, ça fait des années, ça fait deux ans. L'idée, c'est bien que tout le monde puisse se rapprocher de ces données. Donc, pour nous, ça passe par exemple par l'export. L'export des données. Toujours plus de pédagogie et d'accompagnement. Vous savez qu'on se donne une mission de rendre les choses simples pour tout le monde. Vous êtes toujours dans la structure intéressante, hein. C'est pas que la doc, c'est faire en sorte que vous tous, tout le monde puisse comprendre que un serveur sur Internet, c'est pas forcément un truc si compliqué que ça. Et réduire le ticket d'entrée. Toujours. Et nous, là encore, je parlais de la gouvernance du projet. Je pense que c'est un problème global en fait. Sur tous les projets de vie, on parle de liberté en conférence avant. Hein. Comment penser les gouvernances de projet pour qu'elles soient les plus ouvertes et inclusives possible? Alors, vous n'êtes pas abordé ce point-là. On a besoin de forces vives. Toujours. Alors, tout le monde peut aider, en fait, à faire toutes ces choses-là. Ce qu'il faut voir, c'est que nous autres, contributeurs, développeurs, on fait des choses, c'est 80% du boulot, mais il reste toujours une partie du boulot pour laquelle on n'est pas forcément bien, pour laquelle on a besoin d'aide. Et c'est ces 20%-là qui font une sacrée différence, en fait. Ça passe par le support aux utilisateurs. S'entraider, que ce soit du son d'un forum ou du son local, hein, faire des sessions d'installation. La documentation. La documentation, récemment, je crois qu'il y a une équipe qui s'est montée spontanément pour essayer de repenser la documentation et faire en sorte que ce soit le plus abordable possible. Parce que nous, qui avons mis dedans, on n'a pas forcément toujours les bons mots et la bonne approche. Donc c'est toujours quelque chose qu'il faut réfléchir, les tutoriels, comment expliquer les concepts, accompagner les gens. Et la traduction. Aujourd'hui, voyez-moi, c'est un projet qui est français, il faut dire. Une grande partie des contributeurs sont français. De moins en moins, on a de plus en plus d'anglophones qui se joignent à la partie. Donc, Wayne en français, c'est en français, c'est quasiment intégralement en anglais. Et puis, du coup, on s'éloigne de nos pays. Il y a des traductions qui sont plus ou moins partielles. Donc, si vous pouvez les utiliser demain, absolument, évidemment, je sais que c'est un petit peu, ça pourra nous aider grandement. Et ça aide à faire pour le tenir du projet. Après, on fait en sorte d'inclure la communauté pour les tests. Donc on fait des versions testing de WebOS et maintenant aussi pour les applications. Comme on aspire à avoir de plus en plus d'applications officielles, ça fait du travail déjà pour les rassurer. Et à chaque fois, on veut s'assurer que quand on les met à disposition, ça ne va pas tout casser. Donc ça veut dire beaucoup de tests. Ça prend du temps. On aimerait bien que d'autres gens puissent participer à ça. Et c'est pas dur, franchement. Des corrections, des évolutions logicielles, évidemment, on aura toujours besoin de monde. Et après, le volet par lequel les gens rentrent plus souvent dans la communauté, c'est l'application. Vous avez WayneOS, il y a un service qui est hébergé chez vous, il n'y a pas encore l'application. Souvent, les gens commencent comme ça. C'est pas très compliqué. On a de l'accompagnement, on peut vous aider. Et c'est une bonne porte d'entrée en plus après, pour s'approprier le système. Alors, il y a des facteurs qui sont comme ça. Pour WayneOS, sinon, sur toutes les différentes applications. Au niveau des technologies, si vous voulez nous rejoindre, alors le back-end, c'est du Python, c'est du Bash, et la partie qui est sur Nginx, on parlait là pour le SOWAT, pour l'authentification, c'est du Lua. Sinon, pour le front-end, c'est du HTML, JavaScript, framework SAMIJS, un Node.js. Les applications, j'ai mis Bash, mais en fait, dans l'absolu, une application, c'est juste un point d'entrée pour dire je m'installe, je me désinstalle, j'ai une backup, donc on peut utiliser techniquement n'importe quel nom Bash. C'est pas fait aujourd'hui, mais si vous êtes en autre langage de traduction, c'est aussi possible. Et ensuite, on a une infrastructure en interne, parce que tout ça, notre intégration par tenue, le dépôt, tout ça, il faut prendre l'entrée d'un. Donc on utilise, on mange la nourriture de notre propre chien. On utilise WayneOS. On utilise la blockchain Debian, et au passage, on remercie Tetan Opera de BlobNet qui nous fournit des services gratuits. Pour travailler sur WayneOS, on a un environnement de développement qui commence à être, on va dire, abouti, qui permet rapidement ce genre de projet et de participer. Donc, YNHDev, ça permet de rapidement se lancer sur son poste à WebMOS pour WebMOS. Donc, c'est la virtualisation. Package Builder pour vérifier la qualité du code de l'application, de sémantique. Package
Ça, c'est un outil majeur pour vérifier le niveau des applications. Et à partir de ça, on va les installer, les supprimer, les mettre à jour, faire des backups, des restaurations. C'est très utile pour développer. Et donc, on a un serveur d'intégration continue, mais aussi beaucoup de fichiers de tous les sens. Et enfin, on a un dashboard pour chiffres de sens, c'est beaucoup de choses à gérer. Alors, j'ai un petit peu de temps, très bien. Je voulais juste aborder avec vous comment packager une application. Alors, c'est pas très compliqué quand même. On fait en sorte que ce soit le plus direct possible. Une application, en fait, c'est juste une arborescence type. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a un manifeste dans lequel on va décrire les données de l'application, son nom, la licence, évidemment, la version. On va décrire les dépendances qu'elle peut avoir et les informations dont on a besoin pour l'installer. Et puis après, dans cette arborescence type, on va avoir un point d'entrée pour chacune des actions majeures pour l'installation. Pour l'application, l'installer, la supprimer, la mettre à jour. Donc chaque script, chaque point d'entrée va permettre de réaliser ces opérations. Et ensuite, selon qu'on déclare dans le manifeste l'ensemble des arguments qui sont nécessaires pour l'installation de l'application, et donc il va se décliner, il sera demandé dans l'interface web, si vous l'installez par l'interface web, et ça sera demandé aussi en ligne de commande, si vous l'installez en ligne de commande. Enfin, pour communiquer avec nous, on a un forum, on a des salons XMPP pour le support, pour ceux qui veulent contribuer au cœur de Linux, pour tous ceux qui développent des applications, et depuis peu, donc on a un salon aussi pour ceux qui contribuent à la tech, qui est en train de s'organiser pour reprendre tout ça. On est aussi présent sur Matrix, donc XMPP, Matrix, tout ça, c'est la messagerie instantanée et c'est certains milieux. Pareil, donc d'ailleurs, je crois que les gens qui l'utilisent utilisent Linux. Voilà, j'arrive à la fin. Je vous remercie ici pour votre attention. J'en profite d'ailleurs pour remercier ces deux contributeurs dans la salle qui ont remercié pour ce temps. Et sinon, de l'autre côté de la caméra aussi, je remercie tous ceux qui participent à ça. Et ils sont nombreux. Voilà, merci beaucoup. Et si vous avez des questions, vous pouvez me dire. J'ai pas besoin de répéter. Bonjour. Aujourd'hui, à part le fait qu'on ait un projet analogue, il n'y en a pas trop, pour être tout à fait honnête. Moi, j'ai pas suivi de près, en fait. Vous m'entendez bien là? Ouais. Ce que je sais, ils ont l'air de réavancer récemment. Je crois que pendant quelques années, en fait, c'était plutôt en stand-by où ça avançait pas trop. On avançait un peu plus vite, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je pourrais pas vous dire quelles sont les synergies qu'on voudrait mettre en place, mais pourquoi pas en fait. Hein. On n'a pas de vision hégémonique de la chose. On est les supporters de Cozy Cloud et de toutes les autres solutions. Alors, je ne connais pas le terme technique, mais si c'est pour s'inscrire dans Debian en tant que package ou. Ah, est-ce que ça a été pensé? Oui, mais je crois que les raisons sont doubles en fait. C'est surtout le manque de temps pour s'en occuper parce que ça nécessite du suivi. Et je crois aussi que c'était aussi lié au cycle de développement. On est plutôt à 2, 3, 4 versions par an et je crois que c'est pas forcément raccord avec le cycle Debian. C'est ce qu'on m'en a dit, mais je suis pas expert. Hein. D'accord. D'accord, c'est intéressant. D'accord. Ok, oui, mais très bien, parce que je suis un béotien là-dessus. Hein.
Alors sur le choix des applications, ça s'est fait au gré de l'eau, on va dire, hein. Les applications, alors, je pourrais pas vous dire, les applications officielles, c'est les créateurs du projet, à mon avis, c'était celles qu'ils utilisaient à l'époque. Après nous, ce qu'on a décidé de mettre en officiel, on essaye de mettre ce qu'on estime le plus nécessaire pour le grand public. Donc on a fait passer notamment Nextcloud ou des webmails ou des choses qu'on sait qui vont toucher plus de monde. Et la deuxième partie de la question, c'était est-ce qu'après on n'est pas tenté de faire évoluer des applications? Oui, on l'est en fait, parce que ce qu'il faut bien voir, c'est pour qu'on puisse offrir une authentification unique du SSO sur les applications, il faut qu'on ait un accès, l'application gère le LDAP, elle le gère pas toutes. Donc on a des biais détournés pour offrir un semblant d'authentification unique, mais pour autant, il y a des fois, on est tenté d'implémenter le LDAP dans les applis. On n'a pas encore passé ce stade-là parce que tout simplement, on n'a pas suffisamment de temps pour le faire. Mais moi, personnellement, ça m'a démangé. Ouais. Il y a des applications, d'ailleurs, au moment où on les package, on se rend compte qu'il y a des bugs, on soumet des rapports. Enfin, c'est logiciel libre. Et après, on a régulièrement des rapports avec les développeurs des applications, déjà pour savoir comment on va s'y prendre. Et après, il y en a qui se prennent au jeu, qui sont très contents justement que leur application soit visible et installable simplement. Et après, ils se mettent à apporter du support. Ou même certains font leur propre paquet eux-mêmes, parce qu'ils savent que c'est un enjeu intéressant d'avoir un paquet pour Wayonhost. Est-ce que ça répond à la question complètement? D'accord. Alors, telles qu'elles sont stockées sur le serveur, on ne prend pas de chiffrement particulier. Pour autant, c'est possible d'installer un serveur en chiffrant les partitions et ensuite installer Wayonhost. Et après, sur ce qui transite, comme je vous disais, les applications qu'on a actuellement, oui, c'est chiffré en fait. L'application dont je parlais, la Archivist ou Fallback, ces choses-là, oui, telles que ça a été conçu, c'était chiffré. Quand on dit qu'on propose des tutoriels pour utiliser Borg Backup, c'est pareil, Borg Backup, on peut le configurer simplement pour que ça soit chiffré. Ça passe déjà sur un tunnel SSL, et après on peut faire en sorte que les données soient chiffrées, parce que c'est pas tout qu'elles arrivent sans être interceptées sur le serveur d'en face. Le serveur d'en face, j'ai peut-être pas envie qu'il ait accès à mes données. Donc oui, l'idée c'est d'y penser dès le début. Donc la réponse est plutôt oui. Et si on l'implémente, et on va l'implémenter dans le cœur de Wayonhost, on pensera à ça aussi, effectivement, en priorité. Alors Nextcloud, pour ce que j'en connais, il stocke ses fichiers à plat dans un répertoire. Effectivement, il permet de gérer le chiffrement côté serveur. Je ne suis pas convaincu de l'intérêt de ça dans le cadre de Wayonhost, mais vous pouvez l'activer en tout cas. C'est-à-dire que quand vous administrez votre instance Nextcloud que vous avez installée via Wayonhost, vous pouvez cocher la case chiffrement côté serveur. Donc ça aussi, c'est possible. Ça montre aussi la question, enfin ça montre que on donne accès à un catalogue d'applications et après chacun va devoir s'approprier ses applications. En fait, nous-mêmes on maîtrise pas forcément toutes les facettes, mais ce que je peux vous dire de l'expérience que j'en ai, parce que moi je l'utilise effectivement, on peut activer ça. Ça répond à la question? Je vous en prie. C'est vrai que c'est quelque chose, je ne crois pas qu'on le fasse dans les images officielles, mais on aura intérêt à récupérer et faire exactement la même chose. Hein. Que ça soit chiffré au boot, et effectivement, quand la machine est éteinte, tout est chiffré.
Ah, il y a plein de réponses à ça. Si tu es administrateur de ton système, tu pourrais au passage packager l'application. Mais ça, c'est le conseil de la maison. Après, non, on fournit une application. On fournit une application qui permet d'avoir facilement des fichiers qui sont exposés sur une Nginx et une base de données MySQL, par exemple. Donc, c'est-à-dire, si tu as une appli PHP MySQL, tu crées ton application, tu as juste à poser tes fichiers dedans, à la limite intégrer ton DOM dans la base de données et c'est bon. Nous, on a géré le fait que ton application, elle est bien gérée sur bien données accessibles via telle URL, potentiellement derrière le SSO, derrière le portail, si tu le souhaitais. Ça, c'est possible. Après, je crois qu'il y a une application Docker. Il y a des gens aussi qui utilisent Voyenhost avec Docker aussi dessus. On se heurte en fait à, enfin j'allais dire cet écueil en fait, cette spécificité qui fait que certaines applications ne sont installables qu'avec Docker. Ou alors il faut faire du reverse engineering pour savoir comment c'est fait si on veut redétricoter et installer proprement. Mais c'est possible aussi en fait. C'est juste que bah, là, bah, faudra d'autres moyens en termes matériels si tu veux mettre du Docker, mais c'est possible. Alors moi, de mon vécu, j'ai jamais eu aucun problème en fait sur une application avec Nginx. Le problème qu'on peut avoir, c'est surtout la documentation, vu qu'effectivement, l'installation, souvent, les exemples préférentiels qui sont donnés par les applications pour les installer sur un serveur sont souvent sur Apache. Pour autant, je trouve qu'il y a de plus en plus les deux versants, Apache et Nginx. Mais après, techniquement, que ce soit sur Nextcloud ou d'autres, moi, j'en ai jamais vu des problèmes. Et je crois pas qu'on en ait eu. Oui, mais du coup, je vais regarder. Je ne savais pas en fait. Hein. Mais du coup, je vais regarder. Mais c'est en termes de quoi? De sécurité? Bah, du coup, merci pour ça. Je vais regarder. Ouais, d'accord, je comprends. Mais là, on se heurte à un écueil qu'on aura sur toutes les applis qui sont un peu velues, qui utilisent des fonctionnalités avancées. Et effectivement, Nextcloud, c'est un gros engin. On peut se poser la question aussi, parce que c'est vrai que chaque fois qu'on fait un paquet d'applications, on peut se poser la question de quelles extensions, quels plugins on installe par défaut. Et certains appellent des dépendances en plus, c'est vrai. C'est même le cas d'ailleurs pour XMPP, qui a moult extensions. On essaye de supporter Movim, par exemple, mais du coup, ils dépendent de plein de choses pas simples. Mais du coup, je vais regarder pour Nextcloud, être sûr qu'on est bon. Bonjour. Alors les deux en fait. Là du coup, connaissant les deux exemples, WordPress, on le laisse se mettre à jour tout seul. D'ailleurs, il le fait bien sagement. Dès qu'on se connecte dessus, je crois, s'il y a une mise à jour critique de sécurité, il va le faire. Donc on n'a pas désactivé ce mécanisme-là, bien sûr. C'est le cas pour WordPress. Pour Camboard, c'est pas automatique. Donc ça veut dire qu'il faut que quelqu'un de l'équipe se soit saisi du sujet et proposer la mise à jour. Pour autant, maintenant, tel qu'on a établi les applications, en général, si ça n'a pas changé de choses structurelles majeures pour l'application, il s'agit juste de changer pour nous l'URL, le checksum de l'archive qui est téléchargé. Voilà. Donc ça va dépendre des applications. En général, on aime bien garder la maîtrise sur quelles applications, sur quelle version les applications sont installées, parce qu'il se peut qu'une nouvelle version d'une application fasse que bah, ça ne marchera plus parce que. Parce que c'est plus installé pareil. Donc, comme nous, on fait en sorte de faire toutes les étapes d'installation.
Des fois, ils documentent pas bien les migrations. Alors, c'est de moins en moins vrai maintenant. On a des docs officiels sur comment faire les mises à jour, donc on applique la doc officielle pour faire les mises à jour. C'est pas toujours le cas. Donc, on essaye de garder cette maîtrise avec la contrainte pour nous, par contre, de suivre ça rapidement et de manière efficiente. C'est pour ça qu'on a besoin d'un peu de soutien. Merci. J'ai des autocollants.